Salut à tous et bienvenue sur Cuisine Today. Aujourd'hui, on va faire des petits champignons en meringue avec le petit chapeau rose. Ça fera une très belle décoration dans vos desserts. Pour ce qui est du matériel, vous aurez besoin d'une plaque à macarons, d'une poche à douille et d'un robot mixeur avec un fouet. Pour les ingrédients, il vous faudra 5 blancs d'œufs, 200 g de sucre glace et quelques gouttes de colorant alimentaire rouge. Passons maintenant à la recette. Séparez le blanc des jaunes de 3 œufs et pesez 100 g de sucre glace. Mettez vos blancs d'œufs dans le robot mixeur avec le fouet à puissance maximum pour monter vos œufs en neige. Il faut que ceci soit bien ferme. Rajoutez ensuite au prorata vos 100 g de sucre glace, puis ajoutez quelques gouttes de colorant rouge. J'en ai mis environ 5 ou 6. Remettez un petit coup le mixeur en route pour bien mélanger. Disposez votre préparation sur votre plaque à macarons. Enfournez-la pendant environ 30 minutes à 100 degrés. Séparez le blanc des jaunes des deux œufs qu'il vous reste et battez-les fermement comme précédemment. Ajoutez ensuite 100 g de sucre glace et mettez votre préparation dans une poche à douille. Sur une feuille de papier cuisson, faites des petits tas de meringue de façon à ce que ça forme le pied du champignon. Enfournez ensuite vos pieds avec les chapeaux pendant environ 30 minutes également. Au bout des 30 minutes, vous pouvez sortir vos pieds et vos chapeaux et mettez les chapeaux sur chaque pied. Normalement, le fond du macaron est un peu collant, donc ça devrait bien tenir. Enfournez ensuite à 100 degrés pendant une demi-heure et éteignez le four et laissez-le refroidir avec les champignons à l'intérieur. Et voilà, vous avez de beaux petits champignons pour bien décorer vos assiettes. Bon appétit !